Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Fabien. Fabien qui m'a écrit un message comme beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Et du coup il risque d'y avoir quelques vidéos de temps en temps sur des histoires comme ça par rapport à vous les abonnés. Et je trouve ça juste énorme. Alors Fabien m'a écrit un message que j'ai retenu particulièrement. Parce que c'est une action qu'il a fait, c'était l'été dernier du coup, et qu'aujourd'hui il regrette. Alors, on situe le contexte une fois de plus, et d'ailleurs ceux qui m'écrivent des messages, je préfère le dire, dites votre prénom, votre âge, plus ou moins la région d'où vous venez, comme ça l'histoire est un peu plus intéressante. Fabien qui vit en Camargue. Je connais un petit peu la Camargue et je trouve ça magnifique. Il fait un peu chaud, il y a des moustiques, mais c'est pas grave, c'est super. Fabien a 43 ans, il est père d'une petite famille de 3 enfants. Et la petite particularité que j'ai beaucoup aimé chez Fabien, c'est que ce sont des triplés. Il y a 2 filles et un garçon. On va pas non plus trop dévoiler sa vie privée. Là où je voulais en venir, c'est que Fabien, cet été, il ne connaissait pas du tout les reptiles. Il n'avait jamais vu encore ma chaîne reptile. Et en fait, il ne savait pas qu'on pouvait maintenir en captivité des serpents, des choses comme ça. Il ne connaissait rien, il n'avait jamais entendu parler de ce milieu-là. Et Fabien, en fait, il est très réticent, il a un petit peu peur des serpents. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, dans son jardin, il s'est retrouvé, donc, ses enfants à jouer avec un bâton sur un serpent. C'était un petit serpent. Fabien a de suite cru qu'il s'agissait d'une vipère. Alors déjà, d'une part, les enfants, ils n'avaient pas trop à jouer avec ça. Fabien est sorti de chez lui, il a pris un petit peu peur. Et du coup, il a pris... Putain, mais comment ça s'appelle déjà ce truc ? C'est un manche en bois et ça fait... Des fois dans les films, ils creusent des trous avec pour planter des cadavres. Une pelle, voilà, on appelle ça une pelle. On plante aussi, on peut aussi planter des plantes au lieu de mettre des cadavres dans la terre. Alors Fabien, directement, il a pris une pelle et il a complètement planté sur le serpent. Alors forcément, ça a découpé le serpent net en deux au niveau de la tête. Fabien a décapité un serpent cet été. Actuellement, il n'est pas sûr et certain que c'était une vipère. Il a fait quelques recherches sur internet et s'avère que c'était fort possible que ça soit une couleuvre. Là, il m'a raconté, pour un petit peu me raconter sa petite anecdote, sa petite histoire. Et on aimerait savoir en commentaire tout ce que vous pensez de tout ça, comment vous aurez réagi, etc. Alors, je situe un petit peu le concept. Il a pris peur, il y avait ses enfants. Il y avait un serpent, ses enfants, ben le bâton, il remuait un petit peu le serpent. Le serpent, je ne sais pas après pourquoi il ne s'est pas barré. Peut-être que c'était dans un angle, peut-être qu'il avait été blessé. Je ne sais pas en fait, je n'étais pas là, je ne connais pas un peu le concept. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, Fabien est sorti dehors, il a vu que ses enfants jouaient avec un serpent, il a pris une pelle et il a planté le serpent. Alors, du coup, il a tué un animal qui est protégé. Fabien, on le laisse anonyme, je ne connais que son prénom. N'allez pas arrêter tous les Fabiens de France. Ni d'Europe. Ça fait beaucoup de Fabien. Fabien s'est mis à connaître ma chaîne YouTube cet hiver parce qu'il tombait tout à fait par hasard dessus avec des suggestions YouTube. Merci YouTube, parce que quand les abonnés ne partagent pas mes vidéos, si YouTube ne les partage pas derrière, moi j'ai rien du tout. Et là en fait ça fait plaisir parce que c'est une suggestion de YouTube qu'il a eu. Il n'a pas forcément fait de recherche là-dessus, mais il est tombé sur ma chaîne YouTube. Et du coup ce qui se passe, c'est que Fabien a commencé à s'intéresser un petit peu à ce milieu-là, a commencé à voir des éleveurs, des magasins proches de chez lui, tout ça, des éleveurs de serpents. Il a commencé un petit peu à aller sur des forums, des groupes, à se renseigner là-dessus. Et à l'heure actuelle, il commence à se passionner pour la terrariophilie. Il commence à beaucoup s'intéresser à ce milieu-là, peut-être plus tard acquérir un serpent. Et on part d'une personne qui avait totalement peur, qui ne connaissait rien et qui en a tué un en pensant bien faire et en pensant protéger sa famille. On passe de cette personne-là, qu'on retrouve très souvent hein, dans la vie de tous les jours, hein, des personnes qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là, et qui derrière, serpent c'est dégueulasse, c'est sale, c'est dangereux, ça peut tuer des gens, ils ont tous du venin, etc. Et avec le temps, on peut passer à des personnes qui ont totalement changé au niveau de l'appréhension, totalement changé au niveau de leur comportement, et se dire « Ah, maintenant, avant d'agir de cette façon-là, je vais peut-être réfléchir, essayer de trouver des alternatives à ça, parce que même si à la limite il était venimeux, je pouvais très bien peut-être écarter mes enfants, trouver un moyen de le faire fuir sans m'approcher de lui, ni même le manipuler. »
Donc, en fait, là où je veux en venir, et je trouvais que cette petite histoire était vraiment très intéressante, c'est parce que Fabien, à un moment donné, en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, hein, quasiment personne, qui soit vraiment méchant. Mais à un moment donné, en fait, on croit tous bien faire. Quand dans la rue, on commence à traverser, une voiture nous laisse passer, nous on passe et on ne dit pas merci à la voiture parce qu'on est dans notre truc. Mais dans la vie de tous les jours, on ne s'en rend pas compte. Mais si on fait des petits gestes, si on fait très attention à certaines choses, si on respecte nos collègues au travail, si on est toujours en train de sourire, essayer d'envoyer des bonnes ondes, des choses comme ça, dans des petits gestes du quotidien, des trucs comme ça, toujours essayer de s'améliorer, d'apporter du bonheur, de la joie, je pense qu'on vivrait dans un monde meilleur. Si les gens arrêtaient de penser à leur gueule, si les gens arrêtaient de se mettre des idées dans la tête et dire c'est comme ça et c'est pas autrement, on n'a pas la meilleure solution. Moi-même, je ne l'ai pas et je ne l'ai jamais eu. Je ne peux pas affirmer que ce que je vais faire là maintenant c'est bien. Est-ce que cette vidéo va être bien? Est-ce que cette vidéo va buzzer, va fonctionner? Ou est-ce que je suis en train de me filmer comme un con et je vais me faire insulter par la suite? C'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question. Et franchement, je dis chapeau, respect à Fabien. Parce qu'en temps normal, il tue le serpent, il croit protéger sa famille. Tous les serpents, c'est des saloperies. On reste comme ça. Imaginez la personne, elle reste comme ça. Ben, en gros, elle va passer pour un connard. Excusez-moi du terme. Aux yeux de beaucoup de personnes comme nous qui adorons justement la nature et les animaux et les reptiles, et que lui est persuadé qu'il fait bien. Non, il s'est remis en question, il a vu, bon, j'avoue, c'est grâce un petit peu à moi, c'est grâce à Tonton, la chaîne YouTube. Mais non, mais c'était obligé que je dise ça. Non, mais franchement, ça fait trop plaisir parce que derrière Fabien, lui, ben, maintenant il est à fond dans la terrario et il se rend compte en fin de compte qu'il y a cet été, il a fait une grave erreur qu'il n'aurait jamais dû faire. Et ça n'empêche pas que le serpent est mort. Je vous l'accorde, ça l'empêche pas. Mais qui n'a jamais fait de bêtises dans sa vie? Il y a des conséquences au problème, il y a des choses qu'il faut pas faire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il s'est quand même remis en question, il a osé faire le pas en m'écrivant un mail pour me raconter un petit peu son histoire pour que j'en fasse une vidéo. Et maintenant, c'est vraiment à vous d'en débattre dans les commentaires parce que c'est toujours pareil, je dis certaines choses, Fabien pense aussi certaines choses, que je dis que je pense certaines choses, mais sur les milliers de personnes qui vont voir cette vidéo, il y a peut-être des centaines d'avis, de choses qui sont totalement différents. Vous voyez peut-être les choses totalement différentes. Peut-être que ça rattrape en rien que le serpent soit mort. Peut-être que ça n'excuse vraiment en rien. Il n'avait pas à faire ça. Ou peut-être au contraire, c'est bien qu'il se soit remis en question du moment qu'il ne refait pas par la suite et que derrière il peut sensibiliser les gens à ça dans son environnement parce que lui il est en campagne et les gens en campagne, peut-être que son voisinage, ils sont pareils avec les serpents. Moi, j'essaie tout le temps de me remettre en question, de me poser les bonnes questions, de savoir est-ce que je fais les choses bien ou est-ce qu'il y a des choses. Non, j'avais pas à faire ça. Ça m'arrive hein, d'engueuler mes enfants pour rien. Ça m'arrive de rentrer du boulot, d'être énervé, de crier un peu. Vous connaissez Tonton dans les vidéos, vous connaissez pas Tonton dans la vie de toujours. Des fois, je suis un vrai connard. Mais je pense que beaucoup de gens sont comme ça. J'espère que je suis pas seul. Mais derrière, je me dis putain, là, j'ai déconné. Je vais aller m'excuser. Là, j'avais pas à faire ça. Des fois, il faut que je prenne plus sur moi. Des fois, il faut que je reste calme. Des fois, j'ai de la pression. J'ai des choses qui vont pas dans la vie de toujours. Hein. Je suis comme tout le monde, hein, même si je suis une personne toujours très heureuse, même dans la vie. Il y a quand même des soucis qui arrivent de temps en temps. Et c'est vrai que quand on cumule les problèmes au boulot ou quoi que ce soit d'autre, et que derrière, forcément, je poste une vidéo et je me fais insulter par 10 mecs, j'ai envie de tout plaquer, de tout arrêter, d'emmerder tout le monde et aller tous vous faire voir, quoi. Des fois, dans ma tête, c'est ça. Et après, je me dis, mais non, je suis en train de partager une passion, j'aide certaines personnes. Et même si c'est que 10 personnes, que j'ai réussi à aider 10 personnes, ces 10 personnes, c'est top, c'est tout. C'est au moins, j'ai réussi à faire ça. C'était une toute petite vidéo bonus, je suis vraiment désolé, mais je voulais savoir ce que vous pensez de cette petite histoire. Fabien, si tu as vu cette vidéo, tu peux laisser un petit commentaire, voilà. Et je suis curieux. Dites-moi directement ce que vous aurez fait en temps normal vis-à-vis de ce serpent. Ça fera partie de la question du jour. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment quand même que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite, mais vraiment, vraiment très vite, pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde! Ciao, ciao!